Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur IBM Soul TV et vous suivez le journal. Grève générale et illimitée des gardes pénitentiaires en Guinée. Hajj 2023, près de 100 pèlerins bloqués à Conakry. En Libye, 165 migrants, dont des femmes et enfants, renvoyés au Nigeria. Au Soudan, près de 2,5 millions de déplacés et réfugiés selon le HCR. Finlande, le conservateur Petteri Orpo prend la tête d'une coalition incluant l'extrême droite. Voilà, c'était les titres, les détails, c'est dans un instant. Encore une fois, mes téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Les gardes pénitentiaires de Guinée, essentiellement composés de stagiaires, viennent de déclencher une grève générale sur toute l'étendue du territoire national. Suivez. Ils réclament aux autorités judiciaires le respect et l'application de leur statut particulier qui a été signé en 2016. Dans la matinée de ce mercredi 21 juin 2023, des gardes pénitentiaires se sont regroupés dans l'enceinte de la cour de la maison centrale de Conakry pour exprimer leur mécontentement à travers une déclaration. Cette déclaration a été lue par le sous-lieutenant Mamadi Dieu Camara, président de la commission de suivi de la prison civile de Gekedou. Hajj 2023 en Guinée, c'est la grosse inquiétude pour nombreux pèlerins encore à Conakry. Suivez. Venus de Cancan, Sigiri, Zéro Corée et d'autres endroits du pays, ces candidats au Hajj ne savent toujours pas leur sort. Privés de visa, ils scotent le centre islamique de Donka où ils passent la nuit depuis 3 jours. À date, on a déjà envoyé 10 800 personnes. Il ne reste que 82 pèlerins à envoyer pour compléter à 5 300. Les 33 convois sont partis, c'est-à-dire 32 convois sont officiels, plus un vol additionnel qui est parti ce matin. Maintenant, il reste 82 personnes qui n'avaient pas de visa et qu'on ne pouvait mettre dans le vol de ce matin. Nous venons d'obtenir les 82 visas. Quand vous avez les visas, il faut un avion et il faut que l'avion ait l'autorisation d'atterrir en Arabie Saoudite avant la fermeture. L'organe de lutte contre l'immigration clandestine en Libye a renvoyé mardi au Nigeria, en coordination avec l'Organisation internationale pour les migrants, 165 migrants nigérians, dont des femmes et enfants, dans le cadre officiel d'un retour volontaire selon leurs responsables. Les images. Un groupe de 165 migrants irréguliers ont été renvoyés mardi par les autorités libyennes vers le Nigeria, a indiqué l'AFP le général Haitham Belgassem, porte-parole de cet organisme. Parmi eux, 90 femmes et 9 enfants en bas âge qui ont été regroupés avant leur départ dans une salle du centre de détention de Tariq Al-Sika à Tripoli et gardée par des femmes policières surveillant la distribution par le personnel de l'OIM de repas, de boissons et de produits de première nécessité. Certains d'entre eux ont été arrêtés sur la voie publique alors qu'ils pratiquaient la mendicité. Elles ont rempli des formulaires et fait tamponner les laissez-passer par un agent de police des frontières présent au centre avant de monter dans le bus vers l'aéroport en étonnant l'hymne national nigérien en compagnie de représentants de leur ambassade. Environ 165 migrants irréguliers ont été renvoyés en coordination avec leur ambassade. Un autre vol aura lieu la semaine prochaine. Les opérations d'expulsion se poursuivent. Le vol au départ de Tripoli est assuré par la compagnie aérienne privée Al-Barouk. D'autres vols sont prévus la semaine prochaine à destination du Nigeria, a précisé le responsable libyen. Si la plupart des migrants se retrouvent dans des centres de détention de la capitale, ont été interceptés au secours en Méditerranée par la marine libyenne alors qu'ils tentaient d'atteindre l'Europe. Certains ont été arrêtés dans le cadre de la répression de la mendicité et des rafles contre des caches de migrants clandestins. Au Soudan, le nombre de personnes ayant fui les combats dépasse les 500 000 et celui des déplacés dans le pays a atteint 2 millions, a révélé mardi le haut commissaire de l'ONU aux réfugiés. Les images. De plus,
25 des 48 millions de Soudanais ne peuvent survivre sans aide humanitaire. Filippo Grandi a appelé à un élan de générosité envers ce pays à Nairobi, au Kenya, à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Depuis le déclenchement des hostilités le 15 avril dernier, plus de 2000 personnes sont mortes selon l'ONG ACLED. Le chef de l'Agence onusienne pour les réfugiés a exhorté mardi des pays voisins du Soudan à être prompts à accueillir les réfugiés qui arrivent chaque jour à leurs frontières. C'est une situation inquiétante parce que nous n'avons pas vu beaucoup de progrès, peut-être aucun progrès jusqu'à maintenant dans les négociations entre les deux leaders, les deux généraux qui se battent dans le pays. Et nous assistons malheureusement progressivement à une destruction de ce pays. Sur place au Soudan, l'armée et les paramilitaires en guerre ont repris le combat mercredi matin, peu de temps après l'expiration d'un cessez-le-feu de 112 heures, globalement respecté à Khartoum, selon des témoins. Il y a un élément d'insécurité aussi qui risque de se répandre, de s'étendre autour de cette situation. L'appel que j'ai fait à tous les pays voisins est de dire « je comprends vos soucis sécuritaires, mais s'il vous plaît, gardez vos frontières ouvertes parce que ça, il s'agit vraiment de personnes qui fuient pour sauver leur vie. » Des explosions, des tirs nourris des obus ont frappé des quartiers résidentiels de Dilling, au Kordofan Sud, à 500 km au sud de Khartoum. Sierra Leone, Mada Bio milite pour des élections pacifiques en ce dernier jour de campagne Afriton avant les élections générales du 24 juin. Suivi. Devant ses partisans rassemblés à l'Umlebi de la capitale, le candidat à sa propre succession, Julius Maada Bio, a appelé une élection sans violence dans un contexte politique très tendu. Le SLPP, le parti au pouvoir et l'APC, le principal parti d'opposition, se sont accusés mutuellement d'agression. Je veux lancer un appel à tous. Nous voulons des élections pacifiques, pas de violence. Vous avez votre carte, ce jour-là, allez voter. Les partisans du président sortant saluent son bilan et vantent certaines de ses mesures comme l'abolition de la peine de mort ou une loi sur l'égalité des sexes, un quart de budget consacré à l'éducation. Nous voulons avoir l'électricité, bien sûr qu'il y travaille. Nous avons voulu de l'eau de bonne qualité, il s'en occupe. Il y a des endroits où il n'y a pas d'électricité, mais maintenant, depuis qu'il est au pouvoir, nous avons ces choses. D'abord, l'éducation est importante. Il est également important d'améliorer les ressources. C'est pourquoi j'aime Maada Bio, pour tout ce qu'il a fait pour les Sierra Leonais. Dans la capitale Freetown, son visage orne les panneaux publicitaires pour annoncer la distribution gratuite des serviettes hygiéniques aux élèves. Il a aussi pris des mesures pour que les enfants vulnérables, y compris des jeunes filles enceintes, poursuivent leurs études. Accusé d'avoir joué un rôle majeur dans le génocide au Rwanda, Fulgence Kayishima, 62 ans, va demander l'asile en Afrique du Sud. Arrêté le mois dernier près du Cap après une cavale de 22 ans, le ressortissant rwandais a transmis sa demande à son avocat mardi. Ce dernier a précisé à l'issue d'une audience devant le tribunal du Cap la veille que l'accusé craignait pour sa vie s'il était extradé. Suivez. Arrêté le mois dernier près du Cap après une cavale de 22 ans, le ressortissant rwandais a transmis sa demande à son avocat mardi. Ce dernier a précisé à l'issue d'une audience devant le tribunal du Cap la vie de l'accusé craignait pour sa vie s'il s'est extradé. Le parquet a confirmé sa requête, ajoutant qu'il dénonçait à sa demande de mise en liberté sous caution. Fulgence Kayishima serait l'un des quatre derniers réfugiés cherchés pour leur rôle dans le génocide en 1994 de 800 000 morts rwandais, à majorité Tutsi, par des extrémistes Hutu. Il doit répondre de nombreux chefs d'inculpation liés à son séjour irrégulier en Afrique du Sud. Cette demande d'asile risque de retarder son procès dans le pays. Les députés du Parlement finlandais ont voté et élu mardi le dirigeant conservateur Petteri Orpo
en tant que premier ministre qui va gouverner le pays nordique à l'aide d'une coalition dont fait partie l'extrême droite. Les images. Les députés du Parlement finlandais ont voté élu mardi le dirigeant conservateur Petteri Orpo en tant que premier ministre qui va gouverner le pays nordique à l'aide d'une coalition dont fait partie l'extrême droite. Petteri Orpo, qui a remporté les élections législatives d'avril, a obtenu 107 voix pour 81 contre. 11 députés étaient absents. À la tête du parti, la coalition nationale centre-droit, Petteri Orpo avait annoncé la semaine dernière former une coalition avec le parti des Finlandais. L'association Forum Réfugiés a organisé sa 19e marche des parapluies à Lyon le 20 juin dernier. Objectif, rappeler le rôle des États dans l'accueil des populations réfugiées. Suivi. L'association Forum Réfugiés organise sa 19e marche des parapluies à Lyon le 20 juin. Objectif, rappeler le rôle des États dans l'accueil des populations réfugiées. À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés se tenait à Lyon une marche des parapluies. L'objectif, démontrer solidarité et protection aux demandeurs d'asile, trop souvent seuls à leur arrivée en Europe. Sans les associations, j'aurais eu beaucoup de mal, peut-être pour refermer, pourquoi pas me suicider avec tout ce qu'il y a. Et pour pallier à cette hausse, les associations ont recours de plus en plus à de nouvelles formes d'accueil, l'hébergement citoyen. Un rôle qui connaît bien Odile Lacour de l'association Famille d'accueil. On utilise le symbole du parapluie qui est un symbole de protection très simple, un parapluie blanc. Et pour passer le message qu'il faut continuer à accueillir les réfugiés. La France a accueilli à peu près autant de réfugiés en un an que la France accueille de demandeurs d'asile chaque année, à peu près 100 000. Donc il a fallu accueillir x2, j'allais dire. Ça fait 10 ans qu'on accueille des demandeurs d'asile parce qu'on était scandalisés par le fait que, bien qu'ayant une autorisation de séjour et tout, ils n'étaient pas logés, ils étaient à la rue. Des cas malheureusement courants, Yacouba, qui vient d'obtenir le statut de réfugié il y a quelques jours, a pu sortir de la précarité. Quand je suis arrivé, c'était vraiment difficile, j'ai dormi à la Padieu. Je n'ai aucune personne, donc je suis accueilli par les familles. Selon l'ONG Forum Refusé, les demandes d'asile en Europe sont au plus haut niveau depuis 2016. Des militants de plusieurs ONG, dont Glasgow Action Team et 350.org, ont déployé une banderole devant la tour Eiffel en France pour demander la fin du financement des énergies fossiles et la taxation des pollueurs. Suivi. Des militants de plusieurs ONG, dont Glasgow Action Team et 350.org, ont déployé une banderole devant la tour Eiffel en France pour demander la fin du financement des énergies fossiles et la taxation des pollueurs. Ces activistes ont choisi d'agir à la veille du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial. Et mondial. Ce qui nous met en colère, pas qu'à la veille du sommet, c'est que des entreprises comme Total Energy, Exxon ou Shell continuent de battre des records de profits chaque année, alors que ça fait 50 ans qu'ils connaissent l'impact de leurs activités sur le climat et sur la biodiversité. Des chefs d'État, des responsables financiers et des militants du monde entier se réuniront à Paris cette semaine pour trouver des moyens de réformer les banques de développement mondial, comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ces réformes viseront à faire face au réchauffement climatique et prendre en compte son impact dans les décisions de prêt. Président Macron, arrêtez le léoduc de pétrole brut d'Afrique de l'Est. Faites payer les pollueurs si nous voulons avoir une justice climatique. Mettez fin au financement des combustibles fossiles. Et enfin, en ce qui concerne l'Ouganda, nous vous observons. Faites en sorte que ce sommet soit un pas en avant pour les gens comme nous, pour les gens de pays comme le mien. Si la restriction de la dette et la réduction de la pauvreté feront partir du sommet de jeudi et vendredi, le climat en sera le principal moteur. Les représentants des pays en développement d'Afrique, d'Asie, occupent d'ailleurs une place de choix à la table des négociations. Cap sur l'Arabie Saoudite pour N'Golo Kanté, le club Al Ittihad a annoncé ce mercredi avoir recruté le milieu de terrain de Chelsea et champion du monde 2018 français qui rejoint son compatriote Karim Benzema. Suivi.
cap sur l'Arabie Saoudite pour N'Golo Kanté. Le club Al-Ittihad a annoncé mercredi avoir recruté le milieu de terrain de Chelsea et champion du monde 2018 français qui a rejoint son compatriote Karim Benzema. Kanté, 32 ans, avait signé début juin un pré-contrat pour 3 ans avec Al-Ittihad, mais le club saoudien avait conditionné son recrutement définitif à des examens médicaux. Le joueur ayant subi de multiples blessures cette saison. Le natif de Real Malmenonçon, près de Paris, a vécu la saison dernière une traversée du désert, éloignée des terriens pendant plus de 6 mois à raison d'une blessure au jambier. Puis un addicteur, avec 53 sélections en équipe de France, Kanté reste un cadre des Bleus, même s'il n'a pas pu participer au dernier mondial au Qatar à raison de ses problèmes de santé. Il s'était également vu proposer un nouveau contrat par Chelsea qu'il a rejoint en 2016 et où, au milieu de 1,68 million a su être omniprésent, avec notamment en 2021 un récital pour offrir au club angolais le trophée de la Ligue des Champions. Voilà, mesdames et messieurs, ici pour fin cette émission d'information. Merci de l'avoir suivi et à demain à la même heure pour une nouvelle programmation.